DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, faits sociaux encore, la réalité telle que vécue ici chez nous, en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet, faire une petite analyse en nous posant la question de savoir pourquoi le FCC ne supporte pas l'idée d'un glissement du président Félix Tshisekedi en 2023, compte tenu des difficultés en présence. Il est tout à fait possible qu'en 2023, nous ne soyons pas en mesure d'organiser les élections. Plusieurs observateurs en parlent et des analystes, bien évidemment, mais au niveau du FCC, on ne supporte pas cette idée. C'est de cela que nous allons échanger, nous basant bien évidemment sur des propos d'un des cadres du FCC que nous avons choisi ce jour. Mais avant d'aborder ce sujet, vous savez ici, nous nous sommes donnés comme devoir de vous sensibiliser, de vous rappeler de continuer à vous protéger face à cette maladie à Covid-19, cette maladie qui n'a pas encore été vaincue malheureusement. Nous devons donc continuer à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, mais surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. La prévention reste notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Alors, le FCC, plusieurs cadres du FCC qui s'expriment à travers des médias, restent vraiment contre cette idée de glissement. Une idée qui commence en tout cas à germer. Nous entendons beaucoup, même des anciens du FCC qui visiblement traversent, quittent la barque FCC, veulent rejoindre Félix Tshisekedi, comme Basile Olongo, qui s'exprime déjà sur cette question, qui voit des difficultés à pouvoir organiser les élections, difficultés dues aux problèmes anciens par rapport à certaines urgences que nous avons eu à avoir, notamment la problématique de cette pandémie à Covid-19 qui a tout chamboulé et qui peut faire aussi en sorte que la République ne soit pas en mesure, en tout cas, d'organiser des élections dans les délais. Mais comme la Constitution prévoit, et c'était encore une fois des articles sur lesquels se basait le FCC justement pour faire passer cette idée de glissement de Joseph Kabila qui a glissé 2 ans de 2016 à 2018, ils ne veulent pas que Félix Tshisekedi fasse la même chose. Alors je vous propose de suivre un cadre de la CCU, parti de Lambert Mende Malanga, cadre bien entendu évidemment aussi de du FCC qui a donné son point de vue sur cette question. Ensuite nous allons revenir, nous allons analyser ce propos et nous allons dégager notre opinion personnelle par rapport à cela. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, le bouton s'abonner, vous deviendrez automatiquement abonné de votre chaîne et n'oubliez pas, une cloche de notification apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Elle vous permettra, une fois que vous aurez cliqué dessus, d'être notifié des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne. Alors, suivons Thierry Monsenepo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Fonction jusqu'à l'installation du nouveau chef. Oui, mais il ne faut pas rester là. Non, mais attendez, il ne faut pas rester là et dire nous souhaitons que le chef de l'État... Ça, c'est même contredire... Il faut le recensement d'abord, on dit le recensement. Ça, c'est contredire... Vous voyez des gens qui disent soutenir... Je vous ai dit ici, M. Peter, que le seul qui n'a pas à mettre les bâtons dans le roue de Félix Tshisekedi, notre président de la République, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il n'a pas envié... Il a à relativiser sur ce poste.
Vous voyez des gens qui sont contre le président. Ils disent qu'ils sont avec lui. Mais le président reste jusqu'en 2030. Mais ils le contredisent parce que lui-même prône l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes. Mais le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président. Oui, et le président de la République travaille pour que la COVID, nous sommes parmi les meilleurs pays qui ont géré la COVID, quoi qu'il y a eu beaucoup d'étournements. Énormément. Nous sommes en train de travailler, je vois le gouvernement travailler pour que l'État récupère les réserves de change qui avaient vraiment baissé comme peau de chagrin. Cela veut dire que le président va respecter. Il faut le recensement pour qu'on ait les élections. Est-ce que ça peut nous prendre du temps? Ça peut prendre 2 ans. Cela n'empêchera pas qu'on ait des élections. Ça va au-delà. Mais ceux qui disent soutenir le président, mais pourquoi ils veulent le pousser à devenir un Nicolas II? Pourquoi? Ils sont contre lui. En soutenant ce genre la de discours. La Constitution ne dit-elle pas que le président de la République reste en fonction à l'installation. Vous le dites en 2020. Alors que le président de la République lui-même prône l'état de droit. Il veut qu'il y ait élection en 2023. Mais vous, vous dites non, on le soutient, mais vous le contredisez. Avec la Covid, il peut y avoir glissement. Mais est-ce que le président de la République, c'était la même chose que vous étiez en train de dire? Non, Kabila ne va pas faire les élections. Il a glissé 2 ans. Il vous a dit, si vous avez des questions sur ce que je peux devenir ou ce que je vais devenir, posez la question à la Constitution. Et le président Félix Kabila a glissé 2 ans. Dit aussi qu'il est homme de droit. Il a glissé jusqu'en 2030. Donc, ce sont des gens comme ça qu'il faut que le président évite. Ils sont dangereux pour lui. Parce qu'ils parlent en son nom. Et l'opinion pense que ce sont les pensées du président. Moi, je dis à l'opinion, non, le président ne pense pas comme ça. Et le président pense... C'est comme ceux qui disent là, non, le FCC met des bâtons dans le roue. Le président lui-même a dit, celui qui me met des bâtons dans le roue, Big Rouge. Jusque-là, il n'y a pas de Big Rouge. Ça signifie que le président n'a pas encore vu les bâtons dans le roue. Mais vous, vous le contredisez. Non, il y a des bâtons. Vous voyez des gens qui sont contre le président. La même recette aujourd'hui que vous avez faite hier, où vous nous avez dit que Kabila peut rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Aujourd'hui, Basile Olongo, qui était avec vous aussi, qui a dit le contraire? Dit que le président peut rester jusqu'en 2030. Qui a dit le contraire? Nous étions la veille. Il faut le recensement. Nous étions en novembre 2015. Ça peut prendre 3 à 5 ans, le recensement. Nous étions en novembre 2015. L'élection, c'était en 2016, l'année d'après. Pas d'argent pour les élections à cause de la guerre. Pas de consensus autour du calendrier électoral. Des nouveaux majeurs qui sont hors recensement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ça les cas de force majeure. Mais vous avez entendu l'AMP dire en 2013, non, quand on va arriver en 2015, il y aura une guerre qui va nous permettre de ne pas avoir l'argent. Et ensuite, on ne va pas recenser de nouveau. Mais c'est quoi cette histoire? Il ne faut pas prendre les gens pour des petits-enfants. Ça ne tient pas debout. Non seulement ça ne tient pas debout, mais c'est contre le président de la République. Et je dis au chef de faire attention à ces genres de personnes. Ce sont des Rasputin qui ont fait tomber Nicolas II. Ils sont comme ça. C'est le même aussi qui a fait tomber Kabila alors. Parce que c'est la même recette. Kabila est tombé. Kabila n'était pas candidat. Vous dites qu'il est tombé. Il a glissé 2 ans. Il a fait remise et reprise. Il n'est pas tombé, monsieur. D'accord. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là un des cadres du FCC, hein, et membre du parti du Lambert Mende Omalanga, la CCU, Thierry Monsenepo, parmi en tout cas les communicateurs, hein, du FCC de Joseph Kabila. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Voilà à ce que nous chantaient matin, midi, soir les cadres du FCC pour justifier le glissement de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils refusent, hein, de voir Félix Tshisekedi glisser tout comme Joseph Kabila l'a fait. Mais pourquoi ne supporte-t-il pas cette idée, hein, de voir Félix Tshisekedi également glisser? Alors qu'eux ont imposé cela à toute la population, au peuple congolais en tout cas, et l'opposition bien évidemment n'était pas d'accord. Vous suivez comment Thierry Monsenepo est en difficulté, hein, pour pouvoir en tout cas des difficultés d'avoir des arguments, hein, permettant de soutenir leur point de vue, de ne pas voir Félix Tshisekedi glisser. Il s'assied en tout cas sur la notion d'état de droit pour
dire que Félix Tshisekedi devrait plutôt respecter la Constitution, comme si le glissement de Joseph Kabila finalement avait été anticonstitutionnel et que la Constitution n'avait pas été respectée. Si le glissement de Joseph Kabila a été justifié à l'époque, hein, par rapport à des contraintes sur le plan financier notamment, parce que la CENI n'avait pas encore en sa possession tous les moyens pouvant lui permettre de nous amener vers les élections dans les délais légaux, mais que la Constitution qui avait prévu en tout cas cette petite transition entre l'ancien chef de l'État et le nouveau, on s'asseyait sur cet article qui parlait du maintien du président de la République en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, hein. Et donc ça a été interprété de diverses manières selon qu'on est juriste pro Kabila ou juriste pro opposition, mais finalement Joseph Kabila est resté 2 ans après en tout cas au pouvoir et il n'y avait toujours pas installation de son successeur. Alors aujourd'hui bien que nous sommes encore à 2 ans et demi, hein, de 2023, le FCC ne veut pas que Félix Tshisekedi glisse même un seul jour, hein. C'est quand même incroyable, hein, de voir de la mauvaise foi, hein, dans ce parti qui du reste reste partenaire, hein, de Félix Tshisekedi dans cette coalition FCC cash. En réalité, depuis que Félix Tshisekedi aussi est là, nous constatons que ce dernier s'appuie beaucoup plus sur les jurisprudences laissées par son prédécesseur. Dans plusieurs domaines, on a eu à les remarquer, même dans ses ordonnances, hein, nommant telle ou telle autre personnalité dans la magistrature, dans l'armée par exemple. Trop souvent, il se repose sur la jurisprudence. À ce moment, moi, je ne serais pas étonné de voir Félix Tshisekedi en 2023 glisser au non toujours des difficultés à réunir des moyens pour la CENI. Déjà au niveau de la CENI, il y a manque de consensus autour du nouveau animateur devant remplacer Corneille Nangaa. C'est un problème qui s'était posé évidemment aussi avant. Corneille Nangaa, soutenu par le FCC, refusé par son partenaire du CACH et par le reste de l'opposition. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé de solution au niveau de la CENI. Il faut également trouver aussi des moyens. Est-ce qu'au stade actuel, le pays a des moyens pour pouvoir organiser les élections? Parce que 2023, on peut avoir l'impression que c'est loin. Nous sommes déjà au mois de septembre. Hein, d'ici quelques jours, on sera déjà en plein mois d'octobre. Donc, d'ici 3 mois, on va être en plein. Dans 2021, il ne restera alors que 2 ans et demi avant d'arriver à la période pour l'organisation des élections. Alors, est-ce que le problème, les mêmes problèmes qui s'étaient posés en 2015, Thierry l'a rappelé, est-ce que les mêmes problèmes ne se posent pas déjà maintenant par rapport à l'organisation? Bien évidemment, si dans les 2 ans, tout peut être corrigé, il est tout à fait possible d'organiser les élections. Mais dans les conditions actuelles, dans les contextes actuels, en tout cas, nous voyons que ça sera aussi très compliqué. Alors, cette idée commence déjà à germer, mais au niveau de la majorité parlementaire, au niveau du FCC, on ne supporte pas cela, on ne veut pas voir Félix Tshisekedi glisser, et parce qu'on est pressé en tout cas à voir Joseph Kabila revenir. Vous savez qu'il y a déjà beaucoup de gens au niveau du FCC qui commencent à tenter des ballons d'essai, hein, avec leur théorie de retour possible de Joseph Kabila. En même temps, vous avez Ngoïka Sandji qui vous amène cette histoire de vote du président de la République au second degré. Tout ça augure en tout cas d'une réflexion, hein, qui a été mûrie au sein du FCC pour certainement voir Joseph Kabila revenir. Donc c'est très compliqué, hein. La politique en République démocratique du Congo se fait d'une manière tellement particulière, hein, que parfois on se perd vraiment beaucoup. Vous avez des juristes qui bradent parfois la science, hein, parce qu'on est de tel bord politique ou de tel autre, et c'est vraiment dommage. Le peuple ne sait pas se retrouver dans ces
ces conditions, vivement que cette classe politique en République démocratique du Congo soit complètement renouvelée afin que nous puissions reprendre un peu à zéro, parce que là, on se sent vraiment très, très perdu. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous hein, sur cette problématique hein, d'organisation des élections dans le délai. Félix Tshisekedi glissera-t-il, glissera pas? On en saura un peu plus dans les mois qui viennent. Hein. Et si vous avez une opinion, hein, vous avez une opinion peut-être contraire par rapport à ce que nous avons eu à émettre ici, n'hésitez pas hein, de nous en faire part au travers des commentaires. Hein. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Bien évidemment, nous aimons beaucoup vous voir liker hein, nos vidéos. Ça nous fait énormément plaisir. Abonnez-vous surtout sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Cliquez également sur elle. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne ici pour vous. Continuez à respecter des mesures barrières pour vous protéger contre la COVID-19 hein, et protéger par ricochet vos membres de famille, parce que la prévention reste un autre meilleur atout hein, pour venir à bout à cette maladie. Merci encore une fois à vous pour nous avoir écoutés pendant ces quelques minutes. Hein. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.